Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Didier Raoul, alors vous avez été auditionné par la commission d'enquête du Sénat et vous vous êtes un peu emporté. Hein. Emporté. T'es gentil ma petite, mais tu m'as pris pour une pizza ou quoi? N'importe quoi. Donc je reviens sur les faits. Voilà, j'ai autre chose à faire que m'expliquer devant une bande de nazes incapables de comprendre rien à rien. Mais assez parlé de mon passage dans le meilleur des réveils. Merci, sympa. Maintenant, je vais vous parler de mon audition au Sénat. Ah, c'était voilà. La question. Merci pour votre commentaire. C'est normal que les sénateurs soient inquiets. Vu l'orage, ils sont pile dans la cible du virus. Ouais, pour te dire, ma petite, quand je suis arrivé et que j'ai vu autant de vieux en train de dormir, j'ai cru que j'étais en réa. Mais dans ce cas, c'est pas un témoignage qu'ils auraient dû me demander, c'est une ordo de chloroquine. Quand je pense qu'ils ont osé me remettre en question, on n'est pas du même monde, eux et moi. Mmh. Moi, je suis un spécialiste en deux trucs, en virologie et en shampoing revitalisant à l'huile de jojoba. Et crois-moi que vu leur tête, ils ne connaissent rien à la virologie, et vu leur crâne, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de shampoing. Vous avez engagé un sénateur pour faire la régie. Bonne idée. Non, je te le dis, ma petite, c'est la dernière fois que je me déplace sur la capitale. Venir de Marseille pour humilier des Parisiens, pour le coup, je laisse ça à l'OM. Allez, salut les nazes. Merci quand même, professeur. Sinon, depuis que Jean-Pierre Pernaut a annoncé son départ prochain du 13h de TF1, eh bien, il y a plusieurs noms qui circulent pour le remplacer, dont le vôtre, Denis Brognard. Mesdames et messieurs les aventuriers, bienvenue dans ce journal de 13h. Ça serait tellement drôle. C'est top. En pensant à moi, on se dit que la direction aimerait que le JT soit synonyme de suspense. Et avec moi, vous allez être servis. On commence tout de suite avec une catastrophe aérienne qui a fait plusieurs victimes. Mais ça apprendra aux passagers à ne pas toucher au plateau repas. Mais n'oublions pas l'actualité principale de ce 13h de TF1. Nous partons donc en Ariège à la rencontre de Jean-Michel, ébéniste de père en fils et fils de charcutier qui fabrique à l'aide de macaroni des colliers d'immunité. C'est tout de suite dans Info Lantin. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal de 13h. Les titres du jour, ce sont bien évidemment les Ouïghours, qui, je le rappelle, ne sont pas des billets de TGV moins chers. Mais David Pujadas, pardon de vous couper, mais vous n'êtes pas dans la liste des 10 noms qui circulent en candidat potentiel. Ah, bah vous oui. Êtes sûr? Bah apparemment. Même pas pour la météo, ni même pour faire la voix off du flash info trafic. Bon, je suis prêt à faire des concessions, vous savez. Par exemple, vous me posez sur le pupitre, juste devant le présentateur, avec ma taille et ma coupe, tout le monde croira que je suis le micro. Non mais franchement, Elodie, vous avez lu les noms qui circulent, ouais. Darius Rochebain, Pascal de la Tour du Pin, Dominique Lagroux-Sempère. Ils sont encore moins connus que des perdants de The Voice. Non, pire, ils sont encore moins connus que des gagnants de The Voice. Hé, hey, mon pupu. Mon Jadas, mon pupu, on a compris. Voilà. Et on va pas t'écouter chialer deux heures, ma petite beauté. C'est pas que c'est pas intéressant, mais comment dire, c'est pas intéressant. Bon, Elodie, ouais, je pense Cyril. Que la personne la plus qualifiée pour le JT, c'est moi. Ah. C'est Baba. Oh, c'est Baba. D'ailleurs, je vais appeler ça « Touche par mon trésor ». Pas mal. Ça va être une darka de ouf, les chéris. Je vais prendre Mathieu Delormeau en envoyé spécial, parce que bon, bah il est très spécial, comme gars. Hein. Et je vais prendre Doc Gynéco en envoyé spatial. Parce qu'il est toujours dans l'espace, le gars. Et sinon, pour la météo, à petite beauté, je vois bien Isabelle Morini-Bosque. En plus, comme ça sera un hommage à Pernaut. Vu que c'est une grande, grande fan. Pas de Jean-Pierre. L'alcool. C'est magnifique. Ah, mais pas mal comme idée. Bon, merci Cyril Hanouna. N'hésitez pas à déposer votre candidature. Ça peut peut-être les intéresser. Et sinon, on va passer... Attendez, Elodie. Oui, oui. Et pourquoi personne n'a pensé à moi? Il manque juste la carte. Bah, bonjour Laurent Ruquier. Bah, vous voulez parler de la carte de presse, j'imagine? Bah non, Elodie. Je ne parle pas de la carte de presse. Ah. Mais de la carte au trésor. Oh. La carte au trésor. Pas mal. Ah oui. Bien. C'est drôle. C'est vrai, Elodie, que je me suis dit, pourquoi pas moi? J'anime déjà les grosses têtes, je peux tout à fait présenter les gros titres. Ouais. Hein. Surtout que dans la liste, il y a bien mon collègue de RTL, Thomas Soto. C'est vrai. En plus, si c'est que ça, bah, je m'achète un short et une bonne paire de baskets, vous allez voir que Laurent Soto. Oh là là. Thomas Soto, Laurent Soto. Pas mal. Mais c'est qu'on est en forme. Ah, ouais, bravo, ouais. Marc-Antoine. Bravo. Merci. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay, ne l'oubliez pas, ça sera à 18h15.